How are Balde? Hmm? I get how are Balde? Attends, bien. Est-ce que vous mettez là et elle est sémée ici? La mire. Hein? La mire. C'est bon, ça marche comme ça. Hein? Ça marche comme ça. Alors, bien. Donc, au nom du président fondateur de l'ONG Espoir de Vie, Guinée, en la personne de M. Joël Plasso, nous remettons ce pain à notre maman, Aga Ala Badi, en tant que présidente de l'association des femmes, des veuves de Zérikouri. Merci. Merci. Voilà. Merci. Voilà. On a besoin de la présidente, de la vice-présidente. La vice-présidente, c'est elle qui est... La vice-présidente. Voilà. Donc, pour votre bravoure, votre engagement pour la réussite de cette association à Zérikouri, le président fondateur de l'ONG Espoir de Vie, M. Joël Plasso, nous montre ce temps. Merci beaucoup. Merci au président fondateur. Amen. Oui, continuons. Appelez la suivante. La suivante, c'est Hadja Mi-Sibérité, elle a perdu sa grâce. Elle occupe quelle poste là-bas? Non, là, il dit qu'il faut que le capteur en Donc, conseillère, qui vous bat, première conseillère.
Non, c'est neuf. Le bureau, c'est neuf. Vous savez, les bureaux sont impairs. C'est neuf. Ne mettez pas une autre personne. Non, c'est neuf. Merci beaucoup. Vraiment, nous sommes très satisfaits. Et nous vous disons grand merci. Le seul conseil qu'on a à vous donner, c'est le conseil que le président fondateur a toujours donné. Notre association, c'est de promouvoir la paix à Zérékoré. Charge de prendre en charge leurs enfants. Si vous êtes dans cette vision, et vous et nous allons tous réussir. Continuons ainsi. Et continuons à préparer la fête des veuves qui se tiendra le 23 juin. Nous attendons vos propositions. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les gens qu'on doit inviter. Comment on doit faire pour que lors de cette fête-là, ça soit une occasion pour toucher tous les Zérékoré avec les messages de paix, avec les messages d'encouragement. On ne veut plus de paroles à Zérékoré. Vous savez très bien mieux que moi. Lorsque on parle des bruits dans les quartiers, on parle des confrontations, c'est la femme qui souffre beaucoup. Elle ne peut plus sortir pour aller chercher la nourriture de ses enfants. Elle ne peut plus faire autre activité. Et quand il s'agit de fuir, j'y vais. Quand il s'agit de fuir, c'est la femme qui souffre plus. Elle ne peut pas tout prendre à la maison pour fuir. Et on ne veut pas ça. Voilà pourquoi il faut promouvoir la paix à Zérékoré. Donc vous avez la salutation du président fondateur. Et il vous salue. Il compte beaucoup sur vous. Nous le faisons là-dessus. Votre ferme, ça sera une réalité. J'ai expliqué au bureau. Pourquoi la ferme? Cette ferme-là, vous ne la faites pas pour nous. Vous la faites pour vous-même. Pourquoi? Parce que nous savons une chose. Avec une ferme avicole, c'est-à-dire une ferme d'élevage de poulets, on va vendre les œufs. Et à travers ce commerce, certaines parmi vous auront de l'emploi. L'entretien de cette ferme-là, on n'en cherchera pas ailleurs. Ça sera vous. Sa commercialisation, ça sera vous. Et tout ce qui va sortir de là, c'est ça qui va permettre à notre ONG de se prendre en charge. Notre ONG n'est pas une ONG qui tend la main aux blancs. Notre ONG ne dépend pas d'une structure quelconque. On dépend de nous-mêmes. Nous travaillons. Nous travaillons. On travaille la terre. On fait les petits commerces pour pouvoir avoir de quoi vivre. Et vous le savez mieux que moi. C'est ce que Dieu a ordonné à l'homme. Et que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, Dieu dit de travailler. Dieu n'aime pas les paresseux. Il a dit, je vais bénir ce que ta main va faire. Autrement dit, si ta main ne fait rien, tu n'as pas de bénédiction. Nous devons travailler. Et notre objectif est que l'ONG Espoir de Vie couvre toute la République de Guinée. C'est ça notre objectif. Et que les veuves de Kankan, de Labé, de Boké, de Conakry soient soutenus comme vous aujourd'hui. Travaillent comme vous aujourd'hui. Être veuve n'est pas une fatalité. Personne ne l'a acheté. Ça trouble les gens. Mais voilà qu'en Afrique, la veuve n'est pas considérée. Et la religion nous conseille de prendre soin des veuves. Voilà pourquoi l'ONG Espoir de Vie vraiment a choisi de vous aider. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci. Au nom de Dieu, nous allons vous dire merci. Merci pour tout ce que vous avez fait depuis votre arrivée jusqu'à maintenant. Et nous prions le Tout-Puissant de nous guider dans cette lancée. Et pour ça, permettez-moi de faire quelques bénédictions au nom de toutes les vœux. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Dieu,
c'est toi qui connais le cœur de chacun. Tu sais que nous sommes des veuves. Ces gens-là sont venus pour nous aider. Nous te prions de tout faire pour les rendre leur monnaie, la monnaie de leur geste. Nous prions le Tout-Puissant Allah de nous guider vers ce bonheur que vous avez toujours cherché pour les femmes là, depuis votre rentrée à Zérékoré. Et nous le prions de nous donner le courage de satisfaire à vos besoins. C'est-à-dire ce que vous visez dans l'objectif là, que Dieu nous aide à l'atteindre. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير بارك انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون سبحان الذي لا يضيع الله يقول سبحان الله محمد رسول الله سبحان الله يوتي الله جل شان الله وقت مو بيجي الله محمد صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Je suis très honoré d'être invité à participer à cette remise et à la validation de ce bureau des femmes veuves de la région de Zérékoré. Je suis très heureux aussi du geste symbolique que l'organisation Espoir de Vie, représentée ici par son directeur, sous le couvert du fondateur, M. Joël Crasso, de participer à la remise de ses 9 complets de pagne à ses 9 membres de ce bureau qui sera à partir d'aujourd'hui responsable de la gestion de l'organisation des femmes veuves de Zérékoré. Au nom de mon cœur, au nom de tous les religieux, nous prions Dieu qu'il accompagne votre organisation, qu'il soutienne les bailleurs de fonds qui sont venus vous trouver là sans que vous ne fournissiez aucun effort pour vous appuyer devant vos maisonnettes. Nous prions Dieu que tout le programme et toutes les ambitions de l'ONG, que Dieu accompagne ce programme et ce processus. Et que la ferme avicole qu'ils veulent mettre à votre disposition, que Dieu accompagne cette ferme pour que vous puissiez tirer profit des fruits de cette ferme. Et que les cultures maraîchères qu'il voudrait aussi initier et vous accompagner, et que Dieu accompagne ces cultures maraîchères. Et que les retombées de toutes ces activités retombent dans vos familles respectives. Mais ce que nous devons ajouter en particularité, ce que vous devez recruter les femmes veuves uniquement. Et vous devez les recruter selon les quartiers d'ici. Pourquoi? Parce que le jour qu'il y aura la fête de cette organisation ici, nous voudrions voir des pancartes venues de Lossut, venues de Nien, venues de Gonia, venues de Dorota, venues de Goma. Toutes ces pancartes-là, les femmes, nous voulons que les femmes sortent de tous ces quartiers pour que vraiment toute la commune urbaine de Zérékoré soit représentée au sein de votre organisation. Donc, en recrutant ces femmes veuves, nous vous prions d'en tenir compte. Vous choisissez dans chaque quartier et que dans chaque quartier, ces femmes-là s'organisent là-bas et que le jour où on aura besoin, que ces femmes-là sortent avec les pancartes selon les quartiers et selon l'effigie de l'organisation. Donc, on vous remercie, on vous encourage et on prie Dieu qu'il vous accompagne et ceux qui vous appuient, que Dieu aussi les appuie. Merci. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار بارك شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو الذي ذو العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.